quelque part dans les prés, spots magnifiques. dans un petit vallon, se trouve un petit ruisseau que nous avons baptisé la Rigole. Au dire de certains locaux, il y aurait des truites là-dedans. Cela semble bizarre lorsqu'on regarde la taille de ce filet d'eau. Par pêcher de Rigole. Un petit ruisseau dont je ne connais pas le nom. Il doit faire 60 cm de large. On a dit qu'il y a des truites, on va voir. Hop là, toc, effectivement, il y a du poisson là, mais on ne sait pas ce que c'est. Hein, parce que Pierre est incapable d'attraper. La truite sera finalement attrapée. Et comme on pouvait le penser, elles ne sont pas bien grosses, de petite taille. Ça, c'est de la pêche de précision. Elle y était. Mais il y a un trou. Ah oui, c'est joli. Ça mène pas n'importe où. Ne vous faites pas de fausses idées sur nos tenues. Si nous avons les waders, c'est uniquement parce que nous n'avions pas d'autres chaussures adaptées. Tout comme si vous nous voyez souvent échanger nos cannes. N'oubliez pas une chose, c'est qu'il est possible d'avoir du gel hydroalcoolique sur soi. Ouais, là-bas, là, dans le fond là. Je peux pas avancer, moi, je suis bloqué là. Hein? Attends, je me suis mis dans la branche là. Cette truite qui a regagné son milieu naturel sans notre aide nous prouve et nous démontre qu'on s'est trompé, comme notre choix de ne pas prévoir d'épuisette. Bien que sur certains trous, il est impossible de les mettre pour sortir les truites. Comme quoi, là-dedans il y a des truites. Des truites de taille sympa pour une Rigole comme ça, 18-20 cm. Voilà, c'est pas aluminé, c'est des truites sauvages. C'est exceptionnel quand même. Là, non? Oui, oh là, la queue noire. Magnifique petit poisson. Montre. C'est joli, hein? Oui. Allez. On a du poing de la rue. Oui. Oui. Attention, on a tous les pieds quoi. Non, non, je voulais pas voir ça. On monte là-bas, ouais. Vous voyez? Attends. Vous voyez ça? Ah oui. Pedro.
Pêcher à 5 là-dessus peut paraître bizarre. Ce n'est sûrement pas la conception de la pêche de certains, mais c'est la nôtre. Partager ces moments-là entre potes, que ce soit une petite, une moyenne, ou une grande rivière, ou tout simplement un filet d'eau, ne change rien à notre façon d'être et de concevoir notre amitié et le partage de notre passion. Je la vois. Elle est au bout, quand même. Qu'est-ce qu'il t'a dit, mon cousin? Qu'est-ce qu'il a dit, mon cousin? Allez, venir les chercher, là. Regardez ces truites, là. C'est la truite à Thierry. Regarde. Ça, c'est pas de la... C'est la mienne. Ça, c'est pas de la... Oui, elle y est. Mais regarde où nous passe le morceau, quoi. Non, je la sors pas. Et celle-là, elle est belle, hein. Yes. Tu le regarderas, on va voir.